Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Baizé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je parle à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi, pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet, en espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut, Mehdi. Comment vas-tu Ça va très très bien. Et toi bah moi, ça va pas mal. Retour de, retour de vacances. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Learning by Doing. On va parler ensemble d'un sujet, je pense, qui est surtout les lèvres en cette rentrée, puisqu'on est en rentrée 2022, septembre 2022. C'est, c'est quoi le bureau de demain et pourquoi on irait au bureau demain? Euh, donc, Mehdi, tu es le, le DG, le directeur général de Ubique. Ubique, c'est, euh, alors, je le fais rapidement. Une solution qui permet aux entreprises de trouver le bureau qui leur euh, correspond. Euh, avant qu'on rentre dans cette question de c'est quoi le bureau demain et euh, quelles sont les les formes émergentes de, de bureaux que tu vois arriver liées au travail en mode hybride, liées au développement du télétravail de manière plus globale. Est-ce que je peux te demander de te présenter Mehdi et puis de nous raconter un peu l'histoire de Dubic, ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bien sûr. Pour me présenter, je suis Mehdi Ziri. Donc, euh, comme tu l'as dit, je suis le directeur général de, de Ubik. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai 32 ans. Je suis euh, bientôt père d'un enfant. Félicitations. Euh, merci. Euh, et, euh, et donc, euh, je bosse au quotidien avec une, une équipe de 25 personnes euh, chez Ubik. Euh, et, euh, et donc, à 25, euh, on, on gère. Euh, Ubique, qui est une marketplace, un site web, uh, ubique.fr, on, on aide euh, environ 600 à 800 entreprises par mois à trouver la bonne solution de bureau euh, pour elles. Euh, et, donc, euh, et donc pour ça, bah, on a vraiment un rôle de, de marketplace. Donc on, on a plus de 3200 offres de bureaux sur, sur la plateforme, partout en France. Et euh, chaque entreprise vient nous raconter euh, qui elle est. Euh, combien ils sont, comment est-ce qu'ils travaillent, leur modèle d'organisation. Et à partir de là, bah, on va discuter avec elles et puis euh, leur faire une sélection, aller visiter avec eux, contractualiser euh, la meilleure solution de bureau pour, pour eux. Et on pourra, on pourra en parler euh, plus en détail après. Il euh, y a le bureau physique. Euh, euh, une certaine surface dans un quartier donné à un, à un certain prix et puis il y a plein d'autres solutions qui émergent aujourd'hui et qui sont, qui sont assez intéressantes euh, qu'on peut, qu peut aider à, à identifier et puis à, à engager pour une entreprise super super clair alors je, je vois que tu as, 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 as pris ce job là en enfin, je ne sais pas si en plein milieu du Covid mais en tout ouais. cas au, au début de l'année la, 2021 euh, toi ton regard aujourd'hui sur les j'allais dire les nouvelles attentes en tout cas les attentes actuelles euh, des entreprises qui vous contactent. Euh, je le disais en introduction, il y a le télétravail qui s'est développé de manière euh, euh, exponentielle, en tout cas de manière massive, euh, et on est un peu arrivé à une pointe de, de non-retour. C'est-à-dire qu'on va pas rappeler tout le monde, enfin on va pas rappeler tout le monde de travail, c'est un enjeu, ce mouvement de balancier est un peu fluctuant encore. Euh, Aujourd'hui, tu vois quoi comme type d'enjeu, peut-être selon la taille des boîtes ou selon les, le, le, le secteur des boîtes quand il, quand ils cherchent des locaux. Le point commun entre, entre toutes les entreprises, c'est euh, l'incertitude euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut prendre. Euh, et donc, un besoin de revenir à des questions euh, beaucoup plus basiques. Et euh, un objectif qui est euh, le même quasiment pour tous, c'est de, euh, bah de, de trouver le lieu pour vivre et faire vivre sa culture d'entreprise. Euh, et donc, euh, vraiment trouver un lieu de vie, c'est ça l'objectif. Et, euh, et là, par contre, ils arrivent avec plein de questions. Donc, j'ai besoin d'un lieu de vie pour mon équipe. Euh, par contre, je ne sais pas du tout quoi, comment, combien. Euh, en gros, on est 50. Euh, j'ai un plan de recrutement, euh, peut-être 30 personnes dans l'année. Euh, on a mis en place une politique de télétravail qui va peut-être bouger, mais on est à deux jours de télétravail par semaine. Avec ça, euh, et sachant qu'on est en croissance et que d'ici un an on va encore recruter, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut C'est quoi la bonne solution pour moi Globalement, ils l'expriment euh, avec leurs mots comme ça, assez simplement. Euh, et euh, je cherche quelque chose bah, où on puisse se retrouver, vivre en équipe, grandir en équipe. On est dans un moment hyper particulier où l'équipe grossit, on a une culture qui est en train de se créer, mais il ne faut pas qu'il y ait une différence de culture entre les nouveaux, les anciens, etc. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on trouve un lieu qui, qui nous permette de, de, de faire vivre ça et de développer l'équipe voilà les, les besoins, j'ai envie de dire, euh, euh, assez naturellement exprimés euh, par, par nos clients et comment est-ce qu'ils nous les, nous les racontent aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est exactement là-dessus qu'on va, qu va aider l'entreprise à, à, euh, à trouver la bonne solution en, en les aidant surtout à, à se poser les bonnes questions et à pas tout de suite se, se ruer sur euh, des questions de base qui sont le prix, le prix par mètre carré, l'adresse, quartier euh, et qui sont tout de suite les, les, les les sujets et les variables un peu euh, euh, rationnels et, et pragmatiques mais, mais mais qui sont qui nécessitent avant de se poser quelques questions et un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu dis c'est le lieu de vie euh, et j'ai l'impression que ça c'est un vrai shift qui a eu ouais. euh, c'est plus le lieu de travail en tout cas c'est plus uniquement le lieu de travail c'est ouais. pas là où on vient poser son ordinateur et, et travailler euh pendant 8 heures d'affilée ou entrecoupé d'une pause, on est là pour partager. Et ça toi du côté off d'ailleurs parce qu'on a parlé rapidement de la demande du côté offre, est-ce que tu as vu des choses nouvelles se mettre en place, est-ce que les bureaux sont je sais pas moins équipés en bureau, plus équipés en lieu de partage, est-ce que ouais. c'est comment tu vois ça de l'autre côté Complètement. Bah, il y a les bailleurs d'un côté qui se sont remis en question et qui ont bien compris que il fallait repenser la valeur ajoutée de leurs mètres carrés euh, le bureau eux, Historiquement, euh, ils géraient des actifs, euh, ils géraient un parc de mètres carrés. Voilà, euh, un mètre carré, c'est euh, c'est valorisé à 700 euros par mètre carré par an. Et euh, voilà, c'est tout. Et je le loue en bureau. Euh, maintenant, ils se posent la question de la valeur ajoutée de ces ces mètres carrés là. Comment est-ce qu'on les valorise Et les entreprises aussi, elles demandent ça. Euh, avant, on avait l'impression que les, les bureaux, elles, les entreprises, elles voyaient un peu leurs bureaux comme, comme des forteresses euh, euh, centrées sur elles-mêmes, euh, où on rentre dans le bureau, on est chez nous, on est entre nous, c'est fermé. Et de plus en plus, euh, elles réfléchissent à, à, à leurs bureaux comme des écosystèmes euh, ouverts. Euh, ouvert euh, ouvert sur euh, ouvert sur la ville euh, ouvert sur des services euh, extérieurs euh, en fait on, on va pouvoir naviguer entre le bureau son domicile trouver un équilibre de travail et donc aller au bureau demain euh, c'est pas forcément que aller travailler euh, ça pourra euh, vouloir dire euh, aller euh, aller faire une course, aller faire du sport, aller pratiquer une activité, euh, aller euh, recharger mon véhicule, euh, aller m'engager pour une cause euh, le soir euh, euh, en sortant du bureau euh, me retrouver avec des collègues sur un groupe de réflexion ou autre chose et donc ça veut dire bien plus que, que, que aller travailler et ça revêt de plus en plus de sens aujourd'hui dans un cadre où les activités de production, de travail pur, bah, on s'en rend compte, elles sont plutôt pas mal faites à la maison. Euh, donc quand je vais au bureau, j'y vais pourquoi euh, Quelle est la valeur ajoutée euh, incrémentale par rapport au fait de travailler euh, à la maison que je vais retrouver au bureau euh, Et donc ça peut être euh, euh, bah, des formes de travail différentes, qui ne soient pas de la collaboration, euh, euh, qui ne soient pas de la production, mais qui soient de la collaboration, de la rencontre. Euh, de faire place à, à l'échange, au hasard aussi beaucoup. C'est souvent ça qui, qui, qui encore occupe un, un, un rôle central au bureau. C'est le hasard des discussions, les, les bruits de couloir, euh, les discussions fortuites. Euh, C'est tout ça qui est intéressant, mais aussi euh, tout ce qui peut y avoir à côté, les activités que je vais pouvoir pratiquer avec des collègues ou entre autres, ou les, ou les, ou les choses que je vais pouvoir euh, développer euh, peut-être à côté de mon, mon travail quotidien. Est-ce que là-dessus, je trouve ça hyper intéressant, est-ce que là-dessus, tu as un exemple de projet que vous avez mené euh, récemment Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais tu vois, pour un peu illustrer ce côté euh, un gros concept de living office, de dire, bah, en fait, c est, c est, le bureau devient un, un, un lieu de vie. Chose que vous avez pu mettre au point pour des, pour des clients, des partenaires bah, euh, Ce qu'on a, ce, ce, ce qu a pu mettre au point... Euh... Pas directement, mais il y a un constat qui est assez clair, c'est euh, le développement des, des nouvelles offres de, de, de coworking. Euh, je, ouais. a, auparavant le coworking, euh, bon bah, euh, il y a dix ans, c'était euh, c'était la nouvelle forme de travail où euh, quelques freelances, indépendants, euh, jeunes startuppers se retrouvaient dans un lieu pour partager, créer ensemble, euh, partager leur réseau et puis euh, trouver une émulation et en même temps avoir un, un un espace de travail pour pas trop cher parce qu'on partageait les coûts. C'était un peu ça le concept de, de base. Euh, Aujourd'hui, quand on voit que les, les gros acteurs du cowork, euh, les WeWork, Morning, etc., ils ont des taux d'occupation à, à plus de 50% par des grands groupes. Euh, et que euh, leur valeur ajoutée principale, c'est justement ça. C'est tous les à côté du bureau. Ils fournissent un espace de travail privatif, mais à côté, ben, on a tous les services de conciergerie, d'accueil, d'hospitalité, de sport, euh, euh, les conférences qui ont lieu, euh, la collaboration entre les entreprises. Et, et, on, et on voit que les grands groupes, des, des groupes du CAC 40. Euh, euh, font appel à ces, à ces acteurs là pour euh, pour trouver des solutions de bureau c'est que c'est que véritablement ils ont un, un attrait fort pour pour ça et, euh, et nous euh, donc euh, un en plaçant des entreprises en, en, en éduquant et en proposant ces, ces solutions là aux entreprises en leur montrant les avantages de ces solutions là bah, oui, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Et sinon, euh, sur des entreprises qu'on va installer dans des, dans des bureaux complètement indépendants euh, chez elles, euh, dès qu'on va parler, une fois qu'on a, qu a trouvé l'espace, bah, il y a le sujet de l'aménagement euh, très vite qui se pose. Et dans les aménagements de bureaux, on, on aménage les bureaux totalement, totalement différemment aujourd'hui, en effet, avec euh, euh, moins d'espace alloué au poste de travail euh, purement, mais beaucoup plus d'espace alloué. Euh, ben, aux réunions euh, déjà, qui prennent une, une, une dimension hyper importante. Euh, on voit l'explosion des funbox aussi, du marché des, des, des funbox qui, qui explosent. Donc ça, c'est des formes de travail qui sont... Euh, qui sont différentes. Et puis euh, les espaces communs, euh, sur lesquels on passe euh, beaucoup plus de temps, on met une part beaucoup plus importante euh, des espaces alloués au, au, aux espaces communs aujourd'hui dans, dans, dans les bureaux. Et, euh, et puis on, on va réfléchir à comment euh, mutualiser des services euh, au sein d'un même bâtiment. Ça, ça marche très très bien. Les formes de, de bureaux opérés qui se développent, où euh, une entreprise va prendre un, un plateau, un bureau vraiment à elle, mais en plus, elle va accéder à des, à des bureaux, euh, à des espaces... Euh, à côté, Comment euh, en plus commun qu'à pouvoir partager, euh, qui peuvent être des services ou des lieux de réunion ou des lieux de des lieux de rencontre. Euh, mmh. Ça c'est assez intéressant. Et typiquement, euh, c'est une, une réflexion. Euh, euh, Je vais pas citer de nom, mais euh, mais ça change rien de citer les noms ou pas. Mais il y a un, un un gros cabinet de conseil avec qui on avait pas mal discuté, euh, qui. Euh, euh, qui avait euh, environ deux plateaux de, de 400 mètres carrés euh, et, euh, et qui a décidé de, de, de réfléchir et on les a accompagnés là-dessus à se dire ok j'en lâche un mes effectifs ne bougent pas, voire sont même plutôt en croissance. Euh, donc j'ai besoin d'un plateau en moins avec le, le développement du télétravail. Euh, par contre, une à deux fois par mois, euh, je vais avoir besoin d'une solution temporaire euh, pour euh, que l'ensemble de mes équipes se retrouvent, euh, que tous mes collaborateurs qui sont partout en France en full remote euh, puissent remonter à Paris et avec les économies réalisées sur la partie immobilière, je vais pouvoir euh, payer des billets de train, des transports, des nuits d'hôtel et, euh, et payer aussi ces services. D'hospitalité ou se réunir le temps d'une journée. Donc ça typiquement, c'est des offres euh, sur lesquelles on a réfléchi, notamment avec un, un acteur qui, qui, qui est assez fort là-dessus, spécialisé là dessus, qui est Comet euh, euh, Et donc sur des, sur des solutions hybrides, euh, j'ai mon bail d'un côté et puis en même temps, j'ai des solutions euh, exceptionnelles que je vais pouvoir activer, euh, euh, mais, euh, mais de manière de manière assez récurrente. Ok, donc en fait, si je comprends bien, le bureau de demain, c'est pas que ton bail, c'est deux bail plus de l'hospitality et du travel and accommodation derrière. Quoi. Et des services euh, au bureau, okay. euh, exactement, et, et c'est exactement ça, nous on dit souvent qu'on est passé de… de d'un monde euh, complètement physiquement incarné, où euh, une entreprise, c'était un bureau, une forteresse, euh, un flagship, un drapeau bien planté qui, qui représente le bureau euh, et l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus un écosystème de lieux, euh, à la fois réel et virtuel, euh, au sein desquels on va naviguer. Euh, un écosystème de lieux et de services euh, au sein desquels on va naviguer. Et du coup, est-ce que ça pose euh, chez tes clients une question de pilotage Parce qu'on peut imaginer que le bureau, dans le temps... Dans le... Dans le monde d'avant, on est marre de cette expression, mais globalement, avant, c'était plutôt le, Alors, je sais pas, ça devait peut-être être le directeur financier, selon la taille des boîtes, le directeur financier ou quelqu'un qui est qui est plutôt sur les facilités. Euh, Aujourd'hui, si on parle du bureau étendu comme euh, un bail, plus euh, des expéri... des quoi, des, des mini séminaires réguliers où tout le monde se réunit, plus du travel, plus euh, des billets d'hôtel, des choses comme ça, euh, c'est qui le, c'est c'est qui le commanditaire chez vos clients Oui, c'est un vrai sujet. Euh, c'est vrai que nous, chez Ubique, euh, on a souvent tendance à échanger euh, davantage avec euh, les directions RH et euh, les directions euh, Workplace ou Expérience Collaborateur que euh, les directions immobilières. Euh, euh, qui sont très structurés pour euh, bah, gérer des beaux, gérer une multiplicité de baux euh, euh, et, euh, et, la partie, euh, et toute cette partie contractuelle et la gestion immobilière. Euh, et donc, de plus en plus, en effet, on voit des discussions ces discussions-là, elles sont. Plus en plus mixé avec euh, avec des sujets euh, des sujets RH et euh, et donc dans l'ordre euh, sont souvent on commence d'abord par euh, la réflexion autour de l'expérience collaborateur euh, et c'est souvent par là qu'on est rentré et donc c'est souvent par la, la direction euh, des ressources humaines qu'on qu'on rentre euh, et euh, le, le point de départ ça a été euh, le, le plus souvent la définition d'une nouvelle politique de télétravail ok on doit définir une politique de télétravail c'est un peu ça a été le télétravail en mode un peu freestyle pendant les euh, un an, deux ans. Euh, et voilà. Et, euh, donc maintenant, euh, quelle est la règle euh, Qu'est-ce qu'on fixe Et donc, euh, du coup, réflexion, atelier avec les équipes, euh, poser des questions sur quels sont les nouveaux modes de travail. Et très vite, se pose la question de l'expérience collaborateur. Parce que dire à un collaborateur, bon, bah, on accepte le full remote, donc tu as le droit d'être en full remote. Mais... Euh, du coup, voilà, tu es en full remote, tu plus rien, tu n'as plus d'accès au bureau, tu n'as as plus de tickets resto ou de cartes swile, ou tu n'as plus de, de services de, de cantine, etc., auxquels tu avais accès, tu plus tes collègues, tu n'as plus les, tous les avantages. Euh, bah, très vite, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, quand même, il, il, il va être dégradé. Et Donc pour maintenir une, une culture d'entreprise, c'est important de réfléchir à l'expérience collaborateur dans sa globalité. Euh, et c'est notamment un, un sujet euh, dont on a pas mal discuté. Euh, avec Welcome to the Jungle, euh, des références euh, sur, sur les sujets RH. Et c'était euh, hyper intéressant, parce que c'est vraiment par ce, par ce prisme-là qu'ils ont abordé le sujet, de se dire... Euh... Euh, quelle est l'expérience collaborateur euh, de demain euh, chez chez Welcome. Euh, On va avoir des formats de, de, de collaborateurs qui sont en full remote, d'autres qui viennent au bureau euh, à Paris. Et quelle est l'expérience qu'on veut leur proposer euh, au global Et donc, euh, et donc c'est comme ça qu'on a qu'on a défini, euh, imaginé. Enfin, euh, ils avaient déjà pas mal préparé le travail, mais on les a accompagnés à, à imaginer et mettre en place euh, des solutions concrètes pour pour déployer cette expérience collaborateur euh, à l'ère du, du télétravail. Et alors, justement, je, 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 je creuse ce sujet de l'expérience collaborateur. Euh, c'est, enfin, tu vois, si, parce que tu me disais, effectivement, les, les, les alors, futurs clients, clients viennent vous voir avec plein de questions en disant bah voilà, nous, notre roadmap RH, c'est ça, euh, notre accord de télétravail, c'est celui-ci. Alors, certaines équipes vont pouvoir faire du full, full remote, d'autres non. Euh, Derrière, c'est... Alors, sans dévoiler toute votre méthode, mais en gros, c'est quoi les questions que vous leur posez et comment vous arrivez à les tu vois, affiner au fur et à, à mesure le champ des possibles Parce qu'effectivement, quand ils viennent vous voir, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses ouais. ouvertes, il y a des choses qui sont encore mouvantes. Comment vous arrivez à... C'est quoi les questions en réalité que vous leur posez pour recadrer un petit peu les... Le travail le plus intéressant, ça a été de réfléchir euh, aux usages aujourd'hui constatés et ce que voulaient leurs collaborateurs, et puis eux l'expérience qu'ils voulaient proposer à leurs collaborateurs et la vision qu'ils avaient de l'expérience collaborateur. Et, et donc, euh, et donc, au travers de ces discussions-là, ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, pas bah, typiquement avec Welcom, pour continuer cet exemple-là, on a très vite, euh, on a très vite atterri, mais ils avaient déjà beaucoup fait le travail euh, en interne sur des sur des personas, euh, sur des profils et des parcours d'expérience collaborateur. Donc, euh... Euh, moi, je travaille plutôt au bureau, euh, je dispose d'une flexibilité sur mon agenda et mon rythme de télétravail, et donc je peux travailler comme ça. Et au bureau, j'ai accès à tel service euh, avec tel accompagnement. Moi, euh, je vais plutôt être en full remote. Et en full remote, euh, je suis intéressé à l'idée d'être équipé à domicile euh, pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions. Donc, euh, je vais plutôt télétravailler à domicile avec une table, une chaise, un double écran et tout le confort qui me permet d'avoir un bien-être physique et mental pour télétravailler dans de bonnes conditions. Et euh, moi, je suis en full remote, pareil, en, euh, pas à Paris, pas, pas là où est basé Welcome. Euh, et j'ai d'autres collègues qui sont euh, euh, dans la même ville que moi. J'aimerais bien les retrouver dans un tiers lieu et qu'on puisse travailler ensemble. Et donc là, on va plutôt réfléchir à des solutions euh, d'espace de coworking euh, euh, dans lesquels les collaborateurs vont pouvoir se retrouver et donc sortir de chez eux. Et, euh, et donc les collaborateurs choisissaient comme ça. Et pareil, en parallèle, il y a eu la réflexion autour de bah, comment est-ce qu'on maintient la culture d'entreprise. Euh, donc ça, c'est les, les avantages qu'on met à disposition des collaborateurs sur la situation. Et après, il y a eu la vision de comment est-ce qu'on... On maintient la culture d'entreprise et donc euh, quels sont les rituels avec lesquels on va se retrouver, comment est-ce qu'on se retrouve, dans quel rythme, quel ordre Et ça, c'est un, un gros travail qui a été fait par euh, par l'équipe people chez euh, chez Welcome to Jungle euh, et donc euh, ils ont défini ce, ce rythme et, et, et cette cadence là. Et après, euh, euh, nous, notre recommandation principale, euh, bah, ça a été d'apprendre en faisant et, euh, et d'itérer en permanence. Euh, et donc, mmh. euh, c'est ce qu'on fait là depuis. Euh, euh, depuis euh, euh, avril maintenant qu'on a commencé à, à déployer le programme en vrai, on l'a présenté on a échangé on a eu des retours etc c'était la première phase et ensuite on a commencé à, à mettre en phase en mettre en, en place euh, la première phase de, de déploiement et ça ça fonctionne, ça fonctionne très bien, euh, et, euh, et donc les collaborateurs peuvent choisir leur euh, leur, leur mode de travail euh, et les services associés. Très vite, ça pose des nouvelles questions et quel, quel impact ça peut avoir sur le process d'onboarding, sur le process d'offboarding, sur euh, les changements de situation, etc. Et donc on itère, on met à jour. Euh, et, euh, et en parallèle, il bah, y a un vrai enjeu de, de pilotage et de suivi euh, euh, pour le Campus Jungle, s'assurer que bah, économiquement ça tourne. Euh, et que ça reste viable et qu'il n'y ait pas un surcoût euh, trop important, donc un, un besoin de pilotage en se définissant des règles de euh, bah, le budget mensuel à ne pas dépasser par collaborateur par mois, c'est temps, euh, et, euh, et donc euh, en moyenne lycée, euh, voilà, la, voilà le, le budget et la pocket qu'on doit s'allouer, etc. Et donc, euh, et donc on arrive à collecter des données sur les taux d'usage euh, et, euh, et donc, euh, la meilleure équation économique à trouver. Et c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui et c'est euh, vraiment hyper intéressant. C'est ouais, passionnant et je trouve que vous avez poussé le truc super loin. Moi, je retiens deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, il, il y a un côté quand même. Euh... Alors, c'est un peu une expérience collaborateur à la carte, mais il y a quand même une, un format de plan. quoi, Tu prends euh, choix numéro 1, choix numéro 2, exactement. choix numéro 3. Ce qui permet derrière donc, quand même d'assurer un pilotage et pas de faire du, du cas par cas à chaque fois. Mm. Et notamment effectivement sur la partie anime, derrière, ça simplifie les choses, même si c'est complexe, hein, ça simplifie quand même les choses. Et l'autre point, c'est vous, Ubique, vous avez un rôle. Alors, tu me disais au départ, vous êtes une marketplace, euh, là, tu fais pas que de la mise en relation, tu es vraiment non. dans de l'accompagnement et du soutien. Quasiment au quotidien sur, ces, sur un projet de ce type-là, quoi. Non, euh, c'est vrai. c'est Cette activité-là, c'est pas notre, notre cœur de métier. Euh, au quotidien, on va, on va plutôt accompagner des entreprises qui ont un besoin immobilier et qui vont nous dire :« Voilà, on est, euh, mm. comme je le disais, on est temps et on recherche une solution et on, et on a trouver une solution. » Mais, euh, mais, euh, mais on, aime, on aime se lancer dans, dans, dans des offres et dans les services et des, et des accompagnements qui vont nous aider à concevoir le, 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 les solutions de bureau de demain. Donc ça, c'est des sujets mm. sur lesquels on. On n'hésite absolument pas à, à se lancer et, et à mettre à disposition nos, nos solutions, nos outils, notre, notre expertise euh, pour réussir à, à, créer une, à créer la solution pour. Euh... Ouais, mais bah tu, tu m'offres une, une, une transition toute trouvée parce qu'on a parlé rapidement en, en préparant l'épisode. Il euh, y a un côté un peu exploratoire euh, dans l'ADN du BIC. Mmh. Euh, vous testez plein de formes de travail différentes. Vous-même, vous, vous essayez de vous appliquer. Euh, à vous-même, ce que vous allez potentiellement préconiser à vos à vos clients ensuite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche avec quelques exemples un peu de... Ouais. Je ne sais pas si de bureau exotique, mais en tout cas de... de, de, de de tests que vous avez pu faire d'expérimentation que vous avez pu faire dans le dans le passé. oui bien sûr. Euh, bah, Ubic, euh, ça vient de la notion d'ubiquité euh, et du fait que on travaille de partout, euh, que tout le monde travaille de partout euh, aujourd'hui, mais, mais nous y compris, on est Ubique et donc on est, on a une règle un peu marrante euh, dans l'équipe euh, qui a énormément de sens, euh, c'est que toutes les semaines, euh, on, on se force à déménager, euh, à tester une nouvelle solution de bureau. Alors, donc on a des bureaux à nous. Euh, quoique, à un moment, on a hésité à ne pas en avoir et à être en déménagement euh, euh, permanent euh, chaque semaine. On a quand même fini par, par décider d'en avoir un, un bureau fixe. Euh, mais, euh, mais toutes les semaines un à deux jours par semaine, ou parfois toute la semaine, on va tester une nouvelle solution. On déménage toute l'équipe, c'est là sur la base du volontariat, donc ça tombe sur Slack et les gens s'inscrivent. Euh, ok, moi je participe à, à telle OP, cette opération-là s'appelle des guessware, euh, okay, guessware we work, et, et chaque semaine on, on fait un guessware. Et, euh, et euh, bah, en général, on en fait des, des, des assez classiques. On va, on va tester bah, tous les espaces de coworking euh, de Paris, de Lyon, de Marseille et de toute la France. Euh, et on va le temps d'une, une, deux journées. Euh, s'installer là-bas, tester et, et avoir bah, des impressions euh, et puis raconter ça sur nos réseaux sociaux. Ce sont les avantages, les inconvénients, ce qui nous a marqué, euh, ce qui était sympa, ce qui était moins dans, dans cet espace-là. Et donc euh, tout ça, on le raconte sur nos réseaux et on le documente. Et ça nous permet de, de mieux conseiller nos clients derrière. Euh, et au-delà des espaces de bureaux un peu traditionnels, il nous arrive en effet en moyenne une fois par mois de créer une solution euh, un peu nouvelle, euh, d'aller plutôt aux, aux limites euh, du, du bureau traditionnel. Et donc comme ça, on a créé euh, on a créé un plateau de bureau euh, à 1800 mètres d'altitude euh, en Ariège. Euh, donc là, on est arrivé avec euh, table, chaise, avec notre partenaire Slin, avec euh, des batteries d'un partenaire qui s'appelle sol qui fournit des batteries qui permettent de travailler en autonomie toute la journée. Euh, avec Netgear qui nous a fourni des, des routeurs 4G. Donc on avait un Wi-Fi euh, ubique tout en haut de la montagne. Et, euh, et puis il y a la station qui nous a accueillis avec des motoneiges et on est parti installer euh, en haut de la montagne. <laughs> notre plateau de bureau et c'était hyper intéressant toute la journée on a on a pu travailler là tous ceux qui passaient euh, pouvaient euh, venir euh, s'asseoir c'était un coworking ouvert euh, euh, éphémère et on avait communiqué dessus à l'avance pour que les gens euh, sachent et, et puissent venir s'installer et travailler avec nous et donc euh, et donc euh, c'est assez impressionnant dans d'une journée euh, travail comme ça en plein air on a fait ça aussi dans un parc euh, en pleine nature euh, un parc de bagatelles on a fait ça euh, sur l'île euh, sur l'île du chalet des îles au milieu du bois de boulogne donc là on a mis les, les tables et les chaises sur une barque et et euh, et, euh, et, euh, et puis on a installé l'open space euh, voilà on teste des expériences de travail comme ça au quotidien et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de bah, de, de renouveler et d'aller de, de, au bout de des limites de l'exercice euh, et de voir quels sont les avantages, les inconvénients de chaque solution. Euh, c'est assez marrant parce qu'il y a une vraie émulation, euh, il se passe vraiment quelque chose dans l'équipe euh, quand on fait ce genre d'opération. Donc je pense que ce n'est pas une solution de bureau pérenne, mais euh, c'est un rythme hyper intéressant à avoir en équipe de se dire, tiens, une fois par an même. Euh, euh, je pars avec toute l'équipe et on s'installe en, en plein air, on casse, le, on casse les codes, on change de rythme. Ça pose des questions sur la manière de collaborer, euh, sur la manière avec laquelle on travaille, on réfléchit et c'est vraiment hyper intéressant. Euh, dans des solutions plus concrètes, on a testé aussi euh, le télétravan. Ça, on est en équipe réduite, on a pris deux vannes. Euh, mais des vannes tout équipées euh, et tout pour faire à manger pour euh, euh, bah, pour dormir etc et puis surtout il y avait une super connexion internet de quoi se brancher et toute la journée on travaillait euh, comme ça dans les vannes et, euh, et c'était vraiment génial et, euh, et d'ailleurs on a rencontré une collaboratrice de, de Welcome to Jungle qui était en full remote qui elle se déplaçait en van qui nous a raconté son histoire qui faisait toute l'Europe en van euh, donc euh, donc c'est des vraies solutions de travail d'aujourd'hui euh, qu'on teste et qu'on qu expérimente euh, donc euh, c'est assez intéressant dans les dernières qu'on a faites aussi on a testé le le métaverse de, de de Facebook euh, 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 voilà, on a créé notre bureau ubique dans le métaverse, euh, et puis on a testé une session de travail. Et là-dessus, bah, on a documenté les avantages, les inconvénients. On y croit, on n'y croit pas. Qu'est-ce qui est Et, euh, et, et donc ça, c'est un exercice permanent qui nous force à nous remettre en question et qui nous donne tous les jours plein d'idées pour pour mieux accompagner nos clients. Ok, c'est 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 enfin euh, euh, c'est top. Je trouve ça génial, même en, en termes de team building pour ton Je, équipe, ouais, c'est génial carrément. parce que ça, ça te force un peu à sortir de la de la routine. Euh, en termes d'enseignement. Est-ce que tu as un truc euh, à partager Est-ce que tu vois Enfin, tu vois. Aujourd'hui, on parle beaucoup de travail hybride. Je pense que c'est ça qu'on va On crée alors à des, de, des degrés très différents selon les selon les organisations. Et ça ne dépend pas d'ailleurs que de la taille ou du métier euh, mm. qui, qui, qui est fait par ces organisations. Est-ce que tu vois une tendance se dégager euh, Tu vois, si je devais te demander, c'est quoi la bonne fréquence sur le travail, le travail hybride Est-ce que tu as des tu vois, un retour d'expérience que tu commences à avoir des une sorte de, je sais pas, de gabarit ou de, de, de tendance forte qui, qui ressort ou est, on est encore dans une phase bah, euh, qui... expérience d'expérimentation pardon ouais, ouais. Ce, qui, ce qui est hyper intéressant euh, aujourd'hui c'est euh, que ça fait partie de, de des attendus de l'expérience collaborateur de, de pouvoir euh, choisir son lieu de vie euh, et pour choisir son lieu de vie, de s'affranchir de son lieu de travail. Euh, donc ça aujourd'hui c'est un c'est un vrai attendu et c'est un vrai élément euh, euh, au cœur de l'expérience qu'on propose à des collaborateurs, voire même de la de la de la promesse euh, que peut avoir une entreprise euh, sur le marché de l'emploi. Euh, donc euh, donc ces modes de travail hybrides et le fait de de laisser la liberté euh, à chacun de choisir son mode de travail, c'est clairement en train de devenir un standard. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est assez drôle. Je pense que c'est encore encore plus en train de devenir un standard en France euh, que, que que aux US où ils y sont passés très très rapidement. Et j'ai l'impression que dans certaines boîtes, on a tendance à, à, à en revenir euh, quand on voit que que, que Elon Musk annonce. Euh, euh, vous pouvez travailler comme vous voulez, mais c'est au minimum 40 heures par semaine au bureau. Euh, euh, et, euh, et pareil chez Apple, où on définit des jours où il faut absolument revenir, etc. Donc c'est euh, assez intéressant de voir euh, voilà, dès que Dès qu'il y a une petite, euh, dès y a une petite secousse ou dès qu'il y a une petite vague, euh, bon là c'est une grosse vague avec la récession et, et l'activité économique qui est difficile, mais euh, ils ont appelé le plus rapidement possible les collaborateurs à revenir au bureau. En tout cas, c'est un signal qu'on voit. En France, je pense que c'est vraiment parti pour, pour s'installer de manière beaucoup plus pérenne. On met plus de temps à mettre ça en place, mais, mais les organisations et les entreprises qui ont réussi à, à, à mettre cette, cette liberté de travail en place, et euh, avec le bon rythme, le bon modèle de fonctionnement, la bonne orga, les bons outils aussi euh, associés, ça, ça fonctionne et, et c'est véritablement en train d'avancer. Donc, ça, c'est euh, pour moi la, la, tendance, la tendance clé. Et. Euh, et l'autre point, c'est que je pense qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir sur ces, sur ces questions-là, euh, le fait de les avoir en équipe. Tu le disais, en termes de team building, c'est hyper intéressant ce qu'on fait. Euh, et c'est vrai, euh, nous, on, on vit vraiment une expérience à chaque fois. Euh, à chaque fois qu'on fait une OP comme ça, on se retrouve, on va tester. Euh, en fait, personne ne sait à quoi s'attendre, ce qui va se passer dans la journée. Quoi. Donc, en général, on, on installe les tables, les chaises et, et les gens... Euh, pendant une demi-heure ils s'installent et puis ils font que des stories sur Insta ils racontent leur vie ils envoient à leurs potes ouais, waouh regarde c'est incroyable où ce qu'on est aujourd'hui et puis au bout d'une demi-heure je regarde l'équipe et je les vois tout le monde est hyper concentré tout le monde est sur son ordi en train de, en train de, en train de travailler et, euh, et ça c'est une gymnastique euh, qui, qui, qui s'acquiert et qui se travaille et, et je trouve ça intéressant pour les entreprises de, de réfléchir à ces approches-là, de, de, de travailler cette gymnastique-là, euh, des modes de travail hybrides. Plus on sera fluide là-dessus, euh, dans les outils, dans la manière de travailler, dans la manière d'échanger, euh, plus on sera efficace, productif, et donc plus on va pouvoir choisir notre mode de travail comme on le veut. Hyper clair. Merci beaucoup. Ta grille de, de lecture est, est, vraiment, est vraiment super claire. Euh, moi, j'ai quelques... Quelques petites questions, alors pas pour conclure, mais on se rapproche quand même de, de la fin. Aujourd'hui, euh, alors il y a les expérimentations que vous tentez. Il euh, y a un marché, je pense, qui est aussi, euh, euh, comment dire, en pleine ébullition sur ces sujets. Est-ce que tu as des. Alors, je ne sais pas, sans dévoiler tes sources d'infos confidentielles, mais comment toi, tu te, tu te maintiens à jour sur ces sujets Comment toi, tu apprends, au-delà d'expérimenter Et là, on, a, on, est, on est bien revenu là-dessus, mais est-ce qu'il y a des. Voilà, Est-ce qu'il y a des, des boîtes que tu regardes plus que d'autres, des acteurs du marché que tu suis plus que d'autres, parce que bah, pour toi, ils sont, ils sont encore un peu en avance de phase ou... mmh. bah, C'est vrai que sur le développement du marché flexible en France, typiquement, il y, y a un gros marché qui est en train de se développer. C'est toute la partie de l'immobilier flexible euh, en, en France. donc Les offres de bureaux flexibles, coworking, ce qu'on appelle des bureaux opérés. c'est c'est un peu le, le, le mix entre le, le coworking, puisqu'on a un contrat flexible, et en même temps, c'est euh, en même temps on est chez nous. Donc on a un espace qui est équipé, clé en main, avec un contrat flexible, mais on n'est que chez nous, on n'est pas chez, on n'est pas dans un cowork. Et ça, c'est en plein boom aussi. Euh, on voit tout ce nouveau pan de, de marché qui se crée, euh, toutes ces nouvelles solutions de bureaux de, de flexibilité sur les offres immobilières. Qui arrivent en France euh, et qui sont très prometteuses, parce que le marché français est très prometteur et se développe très vite là-dessus. Euh, alors qu'on avait quelques quelques années de retard sur le marché londonien, euh, enfin euh, au UK et sur et sur et sur le marché américain, bien sûr. Euh, et, et donc euh, donc ça c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe là-bas euh, d'un point de vue immobilier euh, pour voir les transformations à venir sur l'offre immobilière. Euh, euh, en France, euh, euh, Londres, euh, ouais, en 2019, avait, euh, avait 4-5 ans d'avance, euh, et, et je pense que l'écart est en train de se resserrer entre, entre Londres et Paris, par exemple. Euh, après, dans les usages, euh, je regarde beaucoup les usages euh, des, des, des gros acteurs tech américains, euh, c'est pour ça que ça, ça me vient très vite en, en tête de, de, de citer ces, ces pratiques de travail-là, euh, et c'est assez drôle à voir. Je pense que euh, on peut pas, euh, elles sont pas répliquées en France euh, de la même manière que qu'elles sont appliquées là-bas. Mais euh, mais c'est quand même assez assez intéressant de regarder bah, leur mode de travail, comment est-ce qu'ils ont euh, les réflexions qu'ils ont sur sur les pratiques de télétravail et les solutions qu'ils qu mettent en place. Euh, et euh, c'est c'est souvent assez euh, américain et dollarisé comme approche. C'est assez drôle de voir que euh, les Américains en moyenne, il y a une étude qui qui qui, qui racontait que les Américains valorisent le télétravail, la possibilité de télétravailler en permanence comme une augmentation annuelle de 7%. Donc, euh, donc ils le mettent au même niveau qu'une augmentation de salaire ou euh, les, les, les effets sur la productivité, etc. Tout est très rationalisé aux US. C'est assez marrant. Du coup, ça, ça bouge, ça bouge très vite. Donc, euh, donc je, regarde, je regarde beaucoup ça. Et, euh, et en France. Euh, on est sur un marché qui, qui met plus de temps à se décider mais où les, où les décisions sont prises de manière plus pérenne euh, et quand on met en place une politique de tra travail on la met, on la met pour, pour de bon elle est, elle est plus réfléchie et on y terre, bien sûr mais, 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 mais c'est plus long donc, donc voilà un peu mes sources, mes sources d'infos et ce que je regarde mais, mais voilà c'est pas à répliquer à l'identique mmh. Et, et sur la partie, euh, excuse-moi, sur la partie engagement, expérience collaborateur ou engagement, mmh. euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'un des derniers freins au développement du, du bureau étendu, en tout cas du télétravail, mmh. c'est euh, effectivement, alors pas le contrôle, mais le côté appartenance à l'organisation, mmh. euh, sentiment d'appartenance, et puis euh, et puis effectivement ce, ce côté. Euh, euh, Informel, alors un peu fortuit de, la, enfin, inopiné de la rencontre au bureau. Est-ce que toi, tu as vu des, des acteurs qui faisaient des trucs intéressants là-dessus euh... sans, sans, euh, enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle là-dessus, mais est-ce que il y, y a des initiatives où tu te dis, ah, tiens, là, c'est. C'est plutôt euh, c'est plutôt malin comme approche sur ce sur ce sujet-là. Ouais, bah en fait euh, honnêtement dans chaque rencontre, à euh, chaque fois que je discute avec bon ouais, honnêtement souvent les plus avancés c'est quand même les scale-up aujourd'hui euh, qui ont un mmh. peu les moyens, la flexibilité, l'agilité et, et la vision de mettre en place des choses. Et à chaque fois que je discute avec ce type de, de structure, startup, scale-up, j'apprends une, une petite chose, euh, une pratique intéressante qu'ils qu ont mis en place euh, sur. Euh, les modes, euh, les, les avantages collaborateurs pour ceux qui sont en full remote ou euh, une pratique événementielle euh, qu'ils ont réussi à trouver ou euh, des, des, des des outils ou des euh, ou des ou des services qu'ils utilisent euh, c'est euh, voilà c'est assez c'est assez en continu comme ça il n'y a pas de il a pas d'acteurs à suivre à la lettre comme ça mais à chaque fois au gré des discussions que, que j'ai c'est vrai que euh, je, vois, je vois je vois des trucs euh, je vois des trucs assez, euh, assez intéressants, euh, enfin, quels que soient les acteurs hein, qu'on discute avec euh, avec Swile, Doctolib, euh, Welcome to the Jungle, tous ces acteurs-là ont des réflexions autour de l'expérience collaborateur et, euh, et c'est souvent assez intéressant euh, les questions qui se posent. Ouais, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on, on est parti du sujet bureau, hum. mais en réalité, le sujet, c'est quelle expérience on offre euh, pour rester compétitif, parce qu'effectivement, si on parle de secteur-là, il y a. Le marché de l'emploi qui est assez compétitif en ce moment. Euh, et, 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 et surtout pour effectivement euh, bah, bien s'inscrire dans, dans, dans ce mouvement de front. Ouais. Il y, y a un autre sujet euh, qui, qui nous intéresse pas mal chez Ubique en, en parallèle de, de l'expérience collaborateur. C'est un bureau qui est viable sur le long terme aussi, euh, pour la société et pour, pour la planète. Euh, euh, quand on voit qu'aujourd'hui, on a. Beaucoup tendance à concentrer l'activité économique au, au cœur des, au cœur des villes, au cœur des métropoles et puis souvent dans Paris intramuros hein, pour être, pour être simple. Euh, C'est parfois un peu un, un non-sens de voir que les mètres carrés, euh, le prix du mètre carré dans Paris explose euh, et euh, donc on a de plus en plus d'entreprises de, de, qui, qui recherchent, qui recherchent ça. Alors que les temps de trajet domicile-travail sont coup, de plus en plus longs, c'est impossible du coup de se loger euh, dans Paris Intramuros parce que le prix de l'immobilier tertiaire lui euh, explose, et, euh, et donc on, on a un peu des non-sens d'un point de vue euh, expérience euh, collaborateur, euh, temps de trajet domicile-travail et donc les impacts carbone associés. Et de l'autre côté, on, on crée le prix du mètre carré aussi. Le prix du mètre carré. Euh, donc c'est un peu la spirale infernale euh, qui va complètement à l'envers d'une réflexion autour de l'équité des territoires. Euh, et de se dire en fait on c'est beaucoup plus euh, viable et pérenne, pérenne de, de maintenir sur le long terme bah, des territoires qui sont équitablement euh, euh, développer euh, et, donc, euh, et donc ça c'est des réflexions hyper intéressantes qu'on a avec les communes, les collectivités. Ils me disent mais est-ce que c'est intéressant pour moi de développer un coworking sur, euh, dans ma ville, euh, de créer de l'activité économique, puisque un coworking dans, dans une petite ville, bah, ça va faire travailler des services et euh, 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 je sais pas, de l'alimentation, de la restauration, du ménage euh, et donc c'est des travailleurs qui viennent là, qui dépensent localement et qui donc font vivre des entreprises locales et donc on est plutôt dans la création d'un cercle vertueux là-dessus. Et ça, c'est assez intéressant, et c'est des réflexions qu'on a avec de plus en plus de, de collectivités, euh, de se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ma ville, et est-ce que le télétravail et le développement de ces nouveaux modes de travail, le fait que et, et des gens qui peuvent choisir leur lieu de vie, euh, c'est une opportunité pour, pour redévelopper un peu l'équité des territoires aujourd'hui. Ça, c'est l'autre axe hyper intéressant auquel on, on réfléchit. Euh, Expérience collaborateur, et puis, euh, et puis un bureau qui est viable et, et, et qui a du sens euh, euh, globalement. Et important. ça, aujourd'hui c'est hyper intéressant. Et ça, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? C'est des missions qui vous sont confiées par des collectivités ou c'est des boîtes qui veulent s'implanter régionalement, qui viennent vous voir en disant, bah, Enfin, voilà, on est plusieurs boîtes ou alors on ouais. sait qu'on va avoir un, un volume suffisant de collaborateurs pour qu'on puisse monter, potentiellement monter un, bah, un co-work à un endroit. Bah, euh... Ça, c'est des, ouais, des entreprises, on, on va les aider à s'implanter, on va discuter avec les, les opérateurs euh, et euh, euh, les organismes d'attractivité territoriale euh, sur, chaque, euh, sur chaque territoire. Mais euh, là, plus globalement, on a une réflexion autour de la donnée euh, parce que nous, on est, une, on est une marketplace du coup et vu qu'on a... Euh, vu qu'on a plein de gens qui se connectent chaque, chaque mois pour rechercher des bureaux et des solutions, bah on a un peu toutes les données sur euh, quelles sont les intentions de recherche dans telle zone, euh, tiens bah euh, j'ai recherché un bureau au cœur de l'Ariège, euh, combien il y en a qui ont recherché, euh, combien il y avait de résultats de recherche, euh, qu'est-ce qu'ils ont contacté, combien il y a eu de contacts, etc. Et tout ça, c'est des, des données qu'on met à disposition des collectivités pour les aider à réfléchir. Et là, on a, bah, attendez, avant de vous lancer dans des travaux de transformer euh, euh, cet ancien bâtiment public en un grand coworking, essayons de savoir... Bah, avec combien de postes il faudrait commencer? Quelle surface aménager? Quel a été le volume de demande sur votre espace? Tiens, on pourrait même faire des, des annonces crash test où on voit un peu, euh, on publie des offres et on voit à quel point ça mord. Euh, et donc ça va nous donner des infos pour, pour prendre un peu moins de risques et, et y aller de manière, de manière plus, plus, plus sereine. Et, et donc ça, c'est des, c'est des réflexions qu'on essaie de développer, euh, avec la, avec les collectivités. Trop bien. Merci beaucoup Mehdi, c'était euh, je pense qu'on a fait alors je, je pense pas qu'on ait fait le tour de la question, tellement la question est vaste, mais en tout cas, on a fait un premier un premier un premier panorama. On se fera on se fera une mise à jour, je sais pas dans 6 mois, dans un an, dans 18 ouais, avec mois pour plaisir. voir comment les choses vont les choses évoluer. Euh, si on veut te contacter, c'est quoi le moyen le plus le plus sûr de t'avoir euh, bah, c'est euh, ubique.fr ou, euh, ou euh... Il y, y a un numéro de téléphone et c'est très simple de m'avoir sur, sur big.fr. Je pense qu'on est hyper réactif. Trop bien. bah Écoute, on mettra tout ça, on mettra les liens. On mettra pas ton numéro de téléphone. Non, le mais... numéro de téléphone <laughs> du standard, mais, mais ça, ça retombe assez vite vers moi. Ok, très clair. Et euh, dernière petite question que je pose à tous les invités est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut absolument que j'interviewe sur ce podcast autour de l'apprentissage, autour du futur euh, du travail est -ce quelqu'un qui serait intéressant à, à, avoir, à avoir en enregistrement. Je te pose une colle. Ouais. Moi, j'irais bien vers euh, des profils euh, un peu différents de ce qu'on a, qu a l'habitude. Pour être intéressant d'interviewer euh, Laurent Lesmarie, qui est directeur immobilier de SNCF, qui m'a absolument euh, bluffé quand il m'a expliqué ce qui, a été, ce qui avait été fait autour de la, euh, des, de la réflexion autour des postures de travail euh, de la SNCF. Il nous a défini toute une grille de, de postures de travail euh, euh, chez eux. Euh, et euh, ils sont arrivés avec une, une douzaine de postures. Hein, hein. Euh, et donc, ils ont réaménagé euh, leurs locaux en, en fonction de ces, ces, ces postures-là. Euh, je trouvais ça euh, hyper intéressant, mais surtout euh, euh, assez, euh, hyper intéressant de voir un travail fait à l'échelle de, de SNCF. Il euh, euh, y a plein de scale-up qui font des choses hyper intéressantes, mais à réfléchir à des organisations globales avec une complexité dans l'organisation, dans mmh. des localisations très différentes, comme ça, à l'échelle de SNCF, je trouvais ça hyper chouette. Donc, euh, bah, carrément. Bonne interview, bah, écoute, euh... Mais je vais essayer de le contacter pour, pour qu'on puisse échanger ça, ça me paraît effectivement tout à, fait, tout à fait pertinent je te remercie encore une fois Mehdi c'était un échange passionnant merci à je toi je te souhaite donc une bonne rentrée puisqu'on est le 31 août 2022 et, et il me reste à souhaiter une bonne suite de journée à nos auditrices et nos auditeurs et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode salut Mehdi salut à très bientôt Baptiste Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire, on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.